Bonjour. Look at that. Wow. Good job. Good morning, everyone. Bonjour à tous. What a joy to be with you. Quelle joie d'être avec vous à nouveau. It's been a few years since I have gotten to be here on a Sunday morning. Quelques années depuis ma dernière visite le dimanche matin. And I am delighted to reconnect with such lovely friends again. Et je suis ravie d'être reconnectée avec mes amis bien-aimés. And I want to say to Pastor Robert and Catherine, je voudrais dire à Pasteur Robert et Catherine, thank you again for merci. Opening this house. De nous avoir ouvert and cette maison. It has made me so happy. Ça m'a fait vraiment beaucoup de joie. To see the nations in this house. De voir les nations venir à cette maison. Because I believe you are a house of nations. Parce que je crois aussi que vous êtes une you maison are a family de nations, of nations. Une famille des nations. And I have seen a fulfillment in your heart. Et quelque this part week. J'ai vu l'accomplissement d'une promesse de Dieu. To see that destiny that's on your life. Et je vois cette destinée sur vos you vies. You have a great destiny to the entire French-speaking world. Vous avez une destinée pour le monde francophone. Amen. 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 And that's a reality. C'est these are réalité. Great apostolic leaders that you have. Ce sont des leaders apostoliques. And they have vision. Qui ont une vision pour and le monde. You will always be blessed to walk with people of vision. Vous serez toujours béni quand vous marchez avec des gens de your vision. Life will increase with people of vision. Votre vie va augmenter and, avec des and gens so de vision. I'm thankful, but I'm thankful that you've been increased to not only see the French-speaking world. Mais je suis particulièrement reconnaissant parce que vous regardez au-delà du monde francophone. But you're seeing a great city. Vous voyez une grande ville. Here in Paris. Ici à Paris. But you're seeing Europe. Mais vous voyez aussi l'Europe. And Europe shall be saved. L'Europe sera sauvée. I said, and Europe Amen. Shall be saved. Je le redis, l'Europe sera sauvée. Come on, can you say that in French? Dites-le Europe en français avec moi. L'Europe sera sauvée. Hallelujah. Amen. Hallelujah. And so I am thrilled. And Pastor Robert, I am so sorry if I have frustrated you in joining. We don't. Désolé si j'étais frustré. Il y avait rien à signer. We really. I think I have. I didn't intend to. Je ne l'ai pas fait exprès. It is a family. C'est une famille. A God-birthed family. Et cette famille est née de l'Esprit and we de Dieu. Love everyone. Et nous aimons tout le monde. And really, the secret is we wait for people to ask. Et le secret, c'est simplement attendre jusqu'à ce que les gens I nous need, demandent. I need to correct a wrong if I said you can't join. Donc, je dois peut-être corriger mes propos de ces années-là. I need to say, Pasteur Robert. Je veux dire Pasteur Robert et Catherine. Wonderful church family. Et toute la famille ici of au Bon course, Berger. You are bien family. Sûr, vous êtes dans you la are famille, family, déjà. You are family. Amen. You know, the Spirit births that. C'est l'Esprit qui fait naître just ce like genre in chose. The natural. Comme dans le naturel. God's plan before the foundation of the earth was for us to be family. Le plan de Dieu avant le fondement de la terre, c'était pour nous d'être une famille. Family is awesome. Une famille est merveilleuse. I never wanted a network. J'avais jamais cherché à créer un réseau. I never réseau. Wanted an organization. Je ne voulais pas une organisation. Where people just like it went around one like person. Où les gens construisent leur ministère autour d'un homme. And people gathered, but they really didn't know each other. Là où les gens ne connaissaient même pas. I wanted family. Ne se connaissait pas. Je voulais une famille. I wanted people to take their breakthrough and give it for someone else's breakthrough. Je voulais que ceux qui vivent des percées le partagent avec d'autres. That's another thing. C'est encore autre chose. So I see you taking your breakthrough and giving it to Bulgaria. Donc je vous vois prendre votre percée et le partager avec la Bulgarie. Amen. 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 C'est that ça. Should excite you. Et ça devait vous passionner. Because that's part of your inheritance. Parce que cela aussi fait partie that's de votre part héritage. Of your reward. Une partie de votre récompense. What you're doing here is at a very beautiful, glorious kingdom level. Ce que vous faites ici, c'est un niveau du royaume qui est glorieux. It takes spiritual people to walk in that. Et il faut des gens spirituels and pour y adhérer. We are so thankful. Et nous sommes tellement reconnaissants. And
thank you for sharing your leaders. Merci de partager avec and nous. And now these wonderful leaders. Pastors that you have. Et maintenant vos nouveaux pasteurs depuis septembre. I'm actually jealous that you have such good pastors. Moi, je suis un peu jaloux que vous avez des bons pasteurs comme ça chez vous. I would love them to be my pastor. J'aurais bien aimé qu'ils soient mon pasteur. I meet wonderful pastors, but these are extraordinary pastors. Je rencontre toujours des bons pasteurs, and mais we ce are thankful. Sont des pasteurs extraordinaires. So thank you for opening your heart. Nous sommes très reconnaissants. Merci d'avoir ouvert vos cœurs. Thank you for loving the Merci world. Merci d'aimer le monde. Amen. Amen. There's nothing done that's truly great in the kingdom without extraordinary love. Rien de tellement grand est fait pour le royaume de Dieu sans un amour extraordinaire. And love always has sacrifice. Et l'amour a toujours des sacrifices. And love always has faith. L'amour a toujours de la foi. And love always has power. Et de la puissance. And love is always willing to open its heart and be vulnerable. L'amour est toujours prêt à ouvrir son cœur et être vulnérable. And God is stretching you in that realm of extraordinary love. Et Dieu vous étire dans justement ce domaine d'amour extraordinaire. I would rather fail loving than never to have loved. Je préfère échouer dans mon amour que de ne pas aimer. Amen. Amen. So we salute you this morning. Nous vous saluons, nous vous honorons and ce are matin. Very thankful. I also et nous sommes tellement reconnaissants very pour thankful vous tous. That Catherine has been my translator. Et merci Pastor pour Catherine la traductrice. My translator. Happy to be there. Honored to be there. And she led worship the other night, and I felt like I truly come to Paris when she did. Elle a conduit la louange l'autre soir et j'avais l'impression d'être vraiment à Paris, enfin. Such a wonderful mother of worship in the French-speaking world. Une mère d'adoration dans le Something, monde francophone. Something grips my heart every time she leads worship. Il y a quelque chose qui saisit mon cœur chaque fois qu'elle conduit thankful. La louange et l'adoration. The other night, the highest compliment you can ever give a translator is you don't know they're there. C'est vrai. Le meilleur compliment qu'on peut donner à une traductrice, c'est de lui dire, je ne savais même pas que tu étais là. So, most of the time, I don't know she's here. Et la plupart du temps, ça m'arrive. J'ignore sa présence. So, the Merci other Seigneur. Night, I did something that I do every once in a while. I began to sing. L'autre soir, j'ai fait quelque chose que je fais de kind temps en temps. J'ai commencé a spirit à chanter. Song. Un chant dans l'esprit. Now, I try not to do that much because I don't sing so well these days. Je ne fais pas trop souvent parce que je ne chante pas bien. But I began to sing the spirit song. Mais j'ai commencé à chanter dans l'esprit. And most of the time when I'm in a nation and I do that, several things happen. La plupart du temps, quand je suis dans une nation étrangère, plusieurs choses se passent. The first thing is the translator panics and does nothing. La première chose, normalement, c'est que mon interprète panique. They just go, que je me mets à chanter. The other ones just kind of like whisper translate what I'm singing. Et il y a d'autres interprètes qui chuchotent la traduction du chant. But not Pastor Catherine. Oh, pas Pasteur Catherine. She took it like an angel came up and started singing and prophesying better. C'était comme un ange, elle a chanté et prophétisé presque mieux que moi. So, what beautiful gifts. Beautiful gifts. So, thank you. Merci, Église. It has delighted us to get to see you in your fulfillment here. Cela nous réjouit le cœur de vous voir accomplir le plan I de Dieu. I must say. Et je dois vous dire. What exciting time! Besides just the Olympics coming. Quel temps merveilleux à côté des Jeux Olympiques. But how about that rendering of your building? Mais aussi la clip vidéo des transformations de ce bâtiment. Wow! Wow! Wow. Wow. Vision. La vision, frère For the et soeur, next generation and the next season. Quelque chose que vous allez
laisser à la génération Listen, suivante. Natural breakthroughs come from spiritual breakthroughs. Les percées naturelles sont toujours le produit des percées spirituelles. So all of you are going to have breakthroughs for this house to have a breakthrough. Des percées personnelles pour que cette maison ait une percée. Amen. Amen. So I believe if God graces, sometimes I feel a spirit of faith while I'm speaking. I want to pray the release in this building of what's going to happen. Un esprit de foi quand je prêche. Je vais libérer cela dans ce bâtiment. I've seen miracle buildings all over the world. J'ai vu des miracles pour les bâtiments partout dans le monde. God loves miracle buildings. Dieu aime faire des miracles pour les bâtiments. And you're only halfway through your miracle. Et vous voyez à peine le début de votre miracle là. And we got to be a part of that from Houston. For the miracle of getting this property, and that was a miracle. Propriétaire était quand même miraculeux. I said that was a miracle. C'était un miracle. Come on. So now we just need the rest of the miracle. Maintenant, il faut la suite. Take place here. Amen. Saisissons la suite du miracle. Amen. 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 That's powerful. Amen. Yes. Powerful. Actually, I tell you a story. Je vais vous raconter une histoire. Well, you know, I taught you years ago. I don't know if you realize. I taught on what a message we have called "Tear the Loaf." Il y a des années de cela, je ne sais pas si vous vous rappelez. Je vous ai enseigné sur déchirer le pain. Was anybody here when I taught that? Est-ce que quelqu'un se rappelle de ce message quand on déchire le pain et on sème? I have the same problem in my church also. Moi, j'ai le même problème dans mon église. I asked our congregation the other day. How many of you have ever heard me speak on tear the loaf? Ont entendu parler de ce message? Je pose la question chez moi. And half of the congregation. Et la moitié de la congrégation ne lève pas la main. And I thought this is an impossible task. Je dis c'est pas possible. J'en parle tout le temps. I feel like I've said this over and over, but j'ai it's the multiplication of the loaves and the fish. C'est le principe de la multiplication des pains et des poissons. I have to be careful. Anytime I get around this message, I go off a cliff, ah, so oui. I may not come back. Il faut que je fasse attention parce que quand je prêche ce message, je tombe de la falaise. Donc, but it's how we do what we've done all over the world. Mais c'est simplement l'explication de comment faire ce que nous avons fait. It's not because we've had big resources. Et ce n'est pas en raison des grandes ressources non plus. It's because we have a very big God. C'est parce que nous avons un grand Dieu. A very Amen. Big God. Un très grand and Dieu même. You have the privilege of worshiping him by giving him whatever his heart desires. Vous avez le privilège d'adorer ce Dieu en lui offrant tout ce que désire son cœur. He desires this house to Il be blessed. Veut que cette maison soit bénie. He desires it to be a beacon for this city. Il veut faire de cette maison He desires une it to be a healing center. Pour cette ville. He desires it to be a house of prayer. He desires it to be mighty for the next generation. He desires it for the next generations for the French-speaking world to rise up and walk through the streets and the districts of this great city. This is your destiny. Votre and destiny. You are at here at this time for Vous such a time as this. Maintenant pour ce moment-là. Amen. 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 And he will always tell you to do the impossible. Il vous dira toujours de faire l'impossible. And I'm going to talk to you about doing the impossible Et je vais vous today. Parler justement de faire l'impossible. That everything God will call you to do is impossible. Tout ce que Dieu vous appelle à faire est impossible. But you are supernatural people. Mais vous êtes un peuple surnaturel. You are not called to walk in the natural. You're called to walk in the spirit. À marcher dans le naturel. You vous are more than vous conquerors through him that loved you. Pour ceux qui aiment. And he is able to do exceedingly abundantly Il above all that we can ask or even think. But there is a spirit path for Mais every y a miracle. Pour y arriver, pour chaque miracle. And you will spirituel. At times have just very little. Parfois, on aura très peu dans and la he'll main. Say, oh, let's dira, go feed this multitude. Bon, on a envie de nourrir la multitude. And when you obey him, quand vous obéissez à Jésus, and you love him, quand vous aimez and Jésus, you say, Jesus, et vous dites, I am an offering to you. Me voici, je Take suis what I have.
prends tout ce que j'ai. When you start feeding your multitude, s'il te plaît, va when you start building this building, ou bâtis ce bâtiment. Miracles will happen. Les miracles vont suivre. The more you tear and the more you give, the more. Plus on déchire le pain, plus on donne le pain, plus on reçoit, plus on verra entrer. Well, several years ago, before you bought this building, il y a des années de cela avant l'achat de ce bâtiment, I remember having a meal with pastor. Je me rappelle avoir mangé avec le pasteur. And he was, we were talking about this. Et on parlait justement de la vision. I always get excited when the church takes new territory. Et je suis toujours passionné quand j'entends parler d'une église qui prend son territoire. May you have 12 more buildings around the city. Que Dieu vous donne encore 12 bâtiments dans la région. Come on, may you have one in every district in Paris. Un bâtiment pour chaque arrondissement. Do you see the multitude? Pour voir les multitudes. Do you see the multitude? Est-ce que vous voyez déjà les multitudes par la foi? Do you realize you are completely unlimited people? Savez-vous que vous êtes un peuple sans limite? If you're born again, si vous êtes né de nouveau, filled with rempli God, de Dieu, there's no limit on you because there's no limit on God. Il n'y a pas de limite sur vous parce qu'il n'y a pas de limite sur Dieu. Amen. 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 Walk in God's dream, not your dream. Donc, marchez dans le rêve de Dieu et dans, non dans Walk votre propre rêve. Walk in God's rêve. Dream, not your dream. Marchez dans le rêve de Dieu et non vos propres rêves. I feel the Holy Spirit pumping some stuff right now. Le Saint-Esprit est en train de faire We're gonna have a Jericho run around the building for long. On va faire bientôt tout le tour du bâtiment, comme autour de Jéricho. How many of you run around the building if it was paid for right now, just like everything? Qui sont ceux qui se réjouiront en courant tout autour si well, on avait déjà payé les rénovations? Non, mais il faut le faire par la foi avant les rénovations. Come on. Where the Spirit of the Lord is, there's freedom. Là où est l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Freedom from bondage, freedom from debt. La liberté de l'esclavage. Freedom from lack. Freedom from fear. Et des dettes et des peurs et Where des craintes. The Spirit of the Lord is, there's freedom. Là où est l'Esprit de Dieu, freedom. La liberté. Hallelujah. 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 Amen. Your dreams are not in bondage. Vos rêves ne sont pas liés dans l'esclavage. Your children are not in Vos bondage. Vos enfants ne sont pas dans l'esclavage non plus. Your destiny is not in bondage. Votre destinée n'est pas dans l'esclavage. Where the Spirit of the Lord is, there's Là freedom. Où se trouve l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. We met in Orlando and we were having breakfast. Nous nous sommes rencontrés dans la ville d'Orlando. I think I was having a bagel back when I ate gluten. On a eu le petit déjeuner ensemble. Je mangeais un pain new-yorkais là quand j'avais le droit de manger le gluten. Pastor's just talking. Et le pasteur qui échangeait comme ça. And while he's talking, the Lord said to me, he said, give them a tithe on what they owe et on pendant que Robert for the building. Parlait, Dieu me dit, donne lui la dîme de ce qu'il faut payer pour acheter ce bâtiment. I don't remember how much it was. Je sais plus le montant. But I just remember, I said, Lord, that just became a very expensive bagel. Mais je me rappelle ma réaction intérieure. J'ai dit, Seigneur, ce pain new-yorkais m'a coûté une fortune. Because, see, you never have what he tells you to do. Parce qu'on ne possède pas forcément ce qu'il nous demande it, de donner. It will never manifest until you do what you don't have that he told you to do. Cela ne se manifeste pas avant votre obéissance. Like at some point, you're going to start banging with hammers and doing it À un by moment faith. Donné, vous allez commencer les rénovations et taper avec les marteaux et tout ça, donc... And we were. I think we did that. We gave that money. Donc on a semé un montant pour l'achat. We were at conference, and your pastors were believing for the final approval. Donc à la conférence qui précédait l'achat, vos pasteurs étaient présents à Houston avec nous for dans this, la foi pour l'approbation pour la for, le, la promesse d'achat. For the first purchase of this property. Justement, en vue de l'achat de ce bâtiment. Also, in the room was our pastors in Tokyo. Et dans cette même conférence, il y avait nos pasteurs de Tokyo. In Shibuya, the very center of Tokyo. Le quartier Shibuya, le quartier classe de Tokyo. A wonderful church of on-fire millennials for Jesus. Une très belle église des jeunes adultes
remplis du feu. We'll be back there for another conference in Asia in August. Nous y serons à nouveau au mois d'août de cette année. God is moving all over Asia, ladies and gentlemen. Agit partout en Asie, les frères et sœurs. And no borders, no boundaries, pas de frontières, nothing pas de will limites. Stop the gospel Rien ne peut of Jesus arrêter l'œuvre du Saint-Esprit en Asie. Amen. And we were in this meeting, and I remember a friend of and I did not know. Donc on était tous ensemble dans la même réunion. That before the meeting, I believe I have the story right. Before the meeting, they got a very discouraging phone call. Et je ne savais pas, mais juste avant cette réunion, si je me rappelle bien. The sale was not going to be approved. Ah oui, qui disait que l'achat ne serait pas approuvé. And then I did not realize that also the church in Tokyo was trying to get property. Je ne réalisais pas non plus que l'église à Tokyo cherchait à acheter du terrain. They were also being denied. Et eux aussi, ils n'ont pas eu l'approbation. And they were being de la mairie ou told it was ça. Impossible because they'd have to change a law in Japan for this church Et notamment to have a property. Au Japon, c'était nécessaire de Now, même changer la loi pour qu'une église I achète can tell you, in Japan, de l'immobilier. That's about as impossible as it becomes. Et je peux vous dire, au Japon, ça c'est vraiment un pays des choses In impossibles. The natural. Dans le naturel, en tout cas. And a funny story is that a good friend of ours, Michael Miller, pastor of Upper Room Church in Dallas. Chose drôle, un ami à nous, Michael Miller, le pasteur de l'église Upper Room à Dallas, Texas. He comes and steals our scripture. Il est venu et il a volé notre verset biblique. John chapter 6 about the multiplication of the loaves and the fishes. Jean 6, Jésus multiplie les pains et les poissons. And our people were like, oh, it's about to go down right now. Et he does not know. Les gens dans l'église savaient que quelque chose se passerait. And the Lord just said, hey, they were starting their building in Dallas. Et on a découvert que aussi à Dallas, now, ils cherchaient à Ladies and gentlemen, I did not know how we were going to pay for our conference. Alors, à ce moment-là, frères et sœurs, je savais même pas comment nous allons At that moment, we did not have the conférence. Money in the bank to pay On avait tens même pas and tens and tens and thousands of dollars. L'argent sur le compte bancaire pour payer la conférence, ne parlons and this même pas is where des you walk bâtiments. On the waters of the Spirit Mais into the miraculous. Là que vous rentrez dans la and dimension the Lord said, miraculeuse. The Lord said, Give the offering to Upper Room tonight. Dieu a dit, recevez une offrande pour l'église à Dallas. Sow it into their building. Semez l'offrande dans le bâtiment Get some pour of the first fruit into that ground. C'est les prémices que vous allez donner pour and l'église à Dallas. And they are moving into that building and that property here very in the next few weeks. Et dans quelques semaines, ils vont prendre possession de cette propriété à Dallas. This is what I love. Et c'est ça que j'aime. Thanksgiving morning. C'est le jour de Thanksgiving, About le fameux 10 or 11 o'clock in the morning. 10 heures, 11 heures du I matin. Get a text from Japan. Je reçois un message de Japon. Same time this happened. Au même moment. I get a text from Japan. Un texte de Japon, du Japon. Pastor. Pasteur, a miracle. Un miracle They fait. Changed the law. Ils ont changé We la got loi our Japon. Building Nous in Japan. Pouvons devenir propriétaires. And then, about the same time, literally, like maybe 30 minutes, a miracle, they changed, and we were approved for the sale of the property. Mais bien sûr, on n'était pas la seule église. There were your miracles. Miracles, d'autres participants. God is a God of miracles. Parce que Dieu est le Dieu des miracles. God is a God of miracles. Dieu est le Dieu des miracles. Hallelujah. Amen. Amen. How many of you know you will need miracles? Savior came into your life. Vous a sauvé et a transformé Can we thank vie. Him? Can everybody on thank him right Seigneur. Now? Thank you, Lord. Wow. Merci, Jésus. I am a miracle. Je suis un miracle, ambulant. And how many of you, it is a miracle, you're still here. Combien savent que And you're still going. Que vous êtes toujours là. Vous Come êtes on. Toujours vivant, vous respirez toujours. Thank God for that. Remercions Listen, le Seigneur pour cela. The day of miracles will never cease. Le jour des miracles ne cessera jamais. Listen. Lisez seulement deux chapitres des évangiles. And think of what the disciples went through walking with Jesus. Et imaginez ce que vivaient les disciples qui marchaient avec Jésus. And every miracle they Tout encountered. Miracle qu'ils ont vu.
Jesus will take you out of the Jésus vous sort des limites naturelles into the miraculous love of the heart of God. Et vous faites entrer dans l'amour miraculeux dans le cœur de Dieu. The blind will see and the deaf will hear. Les aveugles verront, les sourds and the lost will be saved and the bound will be free. Prisonniers seront libérés. And if this is not our testimony, then we need to change our testimony to the Word of God. Et si cela ne fait pas partie de votre témoignage, vous devez changer votre témoignage pour correspondre à la parole. I said hallelujah. Hallelujah. I want to take you into a word that I really feel like is a word for every person here today. Je voudrais partager avec vous une parole que j'ai reçue pour toute personne présente ici. It's an experience I had with the Lord. Une expérience que j'ai fait avec le Seigneur. And I want to just take a few moments with you, and then we'll pray for people at the end here. Je vais prendre quelques minutes de le partager avec vous, et puis on va prier pour les gens. But it was about a year and a half ago. Il y a environ un an et demi. I woke up in a morning. Je me suis réveillée un matin. And the Lord whispered this scripture to me. Et le Seigneur m'a chuchoté ce verset. And how many of you love the whispers of the Lord? Qui sont ceux qui aiment les chuchotements that du Seigneur? Awakens my ear qui morning réveille by morning. L'oreille de disciples chaque matin. That I might hear. Afin qu'on entende sa voix. And it was in Joshua chapter it's the end of chapter 5. Pastor Catherine. Josué, la fin du chapitre 5. And if you wouldn't mind, start reading chapter 5. Well, actually, it would be helpful if you could read chapter 5, verse 10. 10, okay. This is, the context here is the children of Israel. Josué 5, verset 10, tout had le contexte. Been 40 years in the wilderness. Les enfants d'Israël étaient 40 ans dans la One generation had died. La première génération a été and a new generation décédée, et la nouvelle génération s'est levée. Was going into the promised prêt land. À entrer dans la terre promise. Every one of you has a promised land in salvation and a life in the Spirit with Chacun God. Chacun de vous a votre terre promise dans le salut et dans la vie Every de l'Esprit. Every one of you has a promise and a destiny over Chacun your life. Chacun de vous a une promesse de Dieu et une destinée de Dieu dans your vos vies. Your greatest destiny is to know Jesus. Connaître Jésus and et aimer Jésus. In that destiny, he will give you part of his heart. Il partagera avec vous une partie de son cœur. And that will be a calling. Et là-dedans, vous trouverez un appel. You do not have, every person in the body of Christ has a calling. Toute personne dans le corps de Christ a un appel. Not just pastors, every person des pasteurs, mais toute in the body of Christ, dans le corps de Christ has a divine destiny. A une destinée divine. You have a divine calling. Vous avez un appel divin. And it is your journey as you know Jesus, you will know your destiny. Et plus vous connaissez Jésus, plus vous connaîtrez votre destinée. Every one of you, if we can say it this way, every one of you has a promised land and there's a Jericho. D'autres termes, chacun de vous a votre terre promise et chacun de vous a votre Jéricho. That seems impossible to begin your journey. Une ville qui paraît impossible à conquérir. So this is the context. They just crossed over the C'est Jordan. C'est donc le contexte de ce passage. We'll look, verse 10. Yes. Verset 10. Les enfants d'Israël campèrent à Gilgal et ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois sur le soir dans les plaines de Jéricho. And then verse 11 and 12 too. It's in context. Jusqu'à verset 12. Pâque et quand ils mangèrent du blé du pays, les enfants d'Israël n'eurent plus de manne. Et ils mangèrent des produits du pays de Canaan cette année-là. And then, go ahead, 13 through 15, and then the first three verses of... chapter 6. Yes, yes. Versets 13 à 15, et puis les trois premiers versets du chapitre 6. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit... « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Il répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ?» Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et Josué fit ainsi. Josué 6, 1 à 3.
Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville. Vous tous, les dames de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. » 6 days. Amen. So, in that early morning, donc le matin, When I woke up, I heard the voice of the Lord où je me suis réveillée et j'ai entendu la voix du Seigneur whisper to me. Me chuchoter. I knew he was talking about our city. Je savais qu'il me parlait de notre ville. Our city, we are from Houston, nous Texas. Venons de Houston, à Texas, au and Texas. The greater Houston area is about 7.5 million people. Et la région comprend environ 7 millions et demi d'habitants. I think you were in Paris or about 12. On est 12 million à Paris, dans la région parisienne. That's a big Jericho. C'est une grande Jéricho. And the Lord whispered to me, he said, see. Et le Seigneur m'a chuchoté, vois bien, regarde. He said, see, I've given you the city. Je t'ai donné la ville. And immediately I was like, no. Immédiatement, ma réaction. There's a lot bigger churches. Non, il y a des églises plus grandes que la nôtre. I started all of my list of why not. Et j'ai commencé à énoncer ma liste de pourquoi pas, c'est pas possible. And you know, it's funny because the scripture says Jericho was shut up. Et c'est marrant parce que on a lu que Jéricho était now, barricadé, fermé. I did some research on Jericho. J'ai fait des recherches concernant la ville de Jéricho. Historians tell us that Jericho was the first militarized city in the world. Et j'ai appris que Jéricho était la première ville militarisée. It was the first walled war city. C'est-à-dire la première ville totalement entourée d'une muraille. So here is Joshua. These are not people of war. Donc le voici, Josué, pas avec des guerriers. Coming out of a desert. Il sort de 40 ans dans le désert. And God says, "See, I've given you the city." Et Dieu dit, tu vois? Je t'ai donné la ville. But what he could see in the natural was walls. Mais tout ce qu'il voyait avec ses yeux naturels était des murailles. He could see that the city was shut up and there were soldiers, trained soldiers around the city. Et il voyait que la ville était barricadée et les soldats entouraient la ville. And so you have to understand, in the natural, he saw the city shut up tight. Donc, dans le naturel, il voyait cette ville complètement fermée. And that's what we see when we look at a great city like Paris or like our city Houston, is we see like impossible walls. On voit que des murailles. Or maybe you see your destiny. It's like that's an impossible wall. Ou peut-être vous voyez votre destinée entourée d'une muraille impénétrable. We have many excuses. No one in our family has ever done this. Et on trouve toujours les excuses. On n'a jamais fait cela. I've never seen anyone in our family walk this way. J'ai jamais marché de cette manière-là. J'ai jamais vu un homme marcher de cette manière-là. That would take millions of dollars. Non, mais ça coûtera une fortune. Or euros. Des euros, des dollars, and you know, we see walls. Nous we see financial walls. Les murailles. We see walls of hatred. Ou de haine. Rejection. Ou du rejet. Anger. De colère. Bondage. De l'esclavage. We see things walled up. Nous voyons des choses renfermées. Somehow we see the church is this little band over to the side. Et nous voyons l'église comme cette petite bande de pauvres à côté. I immediately became nervous when the Lord said that to me. Et j'avoue que j'étais nerveux quand le Seigneur m'a parlé. And I began to tell him, Lord, I don't even think that's like theologically correct. I'm telling the Lord, I don't think this is theologically right. Because I don't believe God gives like one church the whole city. And the truth is that God's saying it to probably hundreds and thousands of people in your city. Amen? Amen? I believe God's saying that to you. See, I've given you the city. I believe he may be speaking it to 1,000 other churches. See, I've given you the city.
He just needs to see the city that he's giving. Or to you from other nations, see, I've given you the nation. See, I've given you the region. See, I've given you this arena of business. Can you see that I have given you? So, you, number one, you will never stop, step into a promise you cannot see. If you want God to expand your territory, you have to begin to see the territory. Que Dieu élargisse votre territoire, il faut voir le territoire d'abord. He told Abraham, lift up your eyes and look, and everywhere you walk, everywhere your foot goes, I have given you the land. Il a dit à Abraham, regarde chaque chaque endroit où tu mets la plante de tes pieds, je te le donne. So we have to begin to dream with God. Donc il faut commencer à rêver avec Dieu. It begins with a dream. Ça commence avec un rêve. It begins with a supernatural release of destiny. La libération d'une destinée. See, I've given you this building. Vous voyez, je vous ai donné. Come on, I want you to close your eyes right now. Voyez maintenant. And I want you to see this building in Jesus' name. I want you to see the rendering. I want you to see the children in their room. I want you to see this place filled with people. Multiple services all day Sunday. See, I've given you the city. Hallelujah. Amen. See, I've given you the city. But I'm just being... I'm being... honest, that it kind of stressed me out. J'avoue, quand Dieu m'a dit ça, and I felt a lot of pressure. Et j'ai ressenti beaucoup de pression. I felt a lot of inadequacy. I felt pression. A lot of inadequacy. Oui, je ne me sentais pas adéquate à la tâche. You know, we have the biggest church in America in our city. La plus grande église de l'Amérique se trouve dans notre ville de Houston. And I was like, I tried to see. J'essayais, j'ai fait mon mieux pour voir. And I think God appreciates that. We try to see. Et Dieu apprécie nos efforts. But si the on fact essaie is, de it's going to take a miracle for us to see. Mais la réalité, c'est qu'il nous faut un miracle pour the voir Holy ce qu'il Spirit's voit. Going to have to open the eyes of our understanding. C'est le Saint-Esprit qui doit ouvrir les yeux de notre compréhension. I kept going back. So I went back and I just started reading Joshua 5, je suis retourné. I want you to go back with me. À Josué, j'ai commencé à relire chapitre 5 et 6. I want you to see that most of the miracles in your life will be a process. Je veux que vous compreniez que la plupart des miracles dans votre vie sera un processus. I'm going to say that again. Je vais le répéter. Most of the miracles in your life will be a process or a journey. La plupart des miracles que vous verrez dans votre vie seront un processus. But you've got to start going down the path. Mais il faut démarrer le parcours. You've got to start seeing the promise. Il faut commencer à voir la promesse. Now look at me. Regardez-moi. I want you to connect with this. I'm not just trying to bring you a sermon. Connectez-vous à ce message. C'est pas seulement un sermon. There's destiny. Right here, la destinée est présente, juste au-dessus de nos têtes. Pull that spirit into the natural. Cette destinée. Pulling that building into this reality. Saisissez la vision pour ce bâtiment rénové. Pulling destiny into this reality. Amenez cette destinée dans la réalité. See, you got to see yourself like God sees you. Il faut que vous voyez comme Dieu vous voit. Not like you've seen yourself in the past. You got to see yourself. Pas comme dans le passé. Non, comme Dieu vous voit. Like God sees you. Comme Dieu vous voit. And you've got to start walking. Et il faut commencer à marcher. In baby steps of faith. Peut-être des tout petits pas and de foi. I watched this journey, and I want to draw a couple of things to you that stood out to me. J'aimerais souligner des choses qui m'ont frappé. Is it because for them to even get in the promised land? Déjà. You remember the story? Jericho was at flood stage, right? Vous vous rappelez de l'histoire où Jéricho était au moment du déluge? I stood at the
Jericho just a few weeks ago. Il y a quelques semaines de cela, j'avais les pieds même à Jéricho. You can see the flatlands. If it was at flood stage, it would be very wide. Et on voit la plaine. It would be impossible to cross over. Pendant la saison des déluges, des inondations, c'est impossible de traverser la plaine. See, don't expect the things God calls you to do not be impossible. Ne vous attendez pas à ce que les choses que Dieu vous demande de faire ne soient pas impossibles. We're people of faith. Mais nous sommes un peuple de foi. We're people of faith. Nous sommes un peuple de foi. I said, this is a house of faith. J'ai dit, c'est une maison de foi. Amen. By faith, you will enter in. Par la foi. By faith, you will see your loved ones raised to life again. Vous verrez vos bien-aimés ressuscités. By faith, like Abraham and Sarah, you will walk into the land. Par la foi, comme Abraham et Sarah, vous verrez la naissance. What do you think that's in your Bible? Pourquoi pensez-vous que tout cela est dans la Bible? They had par la foi, a better report ils avaient écouté un meilleur report. By faith. Par la foi. Amen. Par la foi. Faith is a substance of things hoped for and the evidence of things not seen. La substance des choses espérées et l'évidence des choses invisibles. Just because we don't see it doesn't mean it's not real. Ce n'est pas parce que nous ne le voyons pas que ce n'est pas vrai. We don't see God day, but nous he's ne the voyons most real pas thing Dieu there is. Tous les jours, mais il est réel, he's the beginning and the end. Amen. 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 I love you this morning. Je vous aime. That's why I'm. C'est pour ça que je veux vous. You're going to step into it. Vous allez y rentrer. You're going to step into it. Vous allez rentrer in dans a minute, votre destinée. Someone's going to jump and shout back et quelqu'un at me. Va se lever, sauter de joie et crier. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Alléluia. But notice this. This is the first thing that helped me as I saw this journey. C'est la première chose que j'ai remarqué. And it says, those who bore the ark, Joshua chapter 3. Okay, Josué 3. Verse 15. Verset 15. And you can read verse 17. Nous allons lire du 15 au 17. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain, et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives, tout le temps de la moisson. Les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent et s'élevèrent en un monceau à une très grande distance, près de la ville d'Adam, qui est à côté de Tsartan. Et celles qui descendaient vers la mer de la plaine, la mer Salée, furent complètement coupées. Le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance de l'Éternel s'arrêtèrent de pied ferme sur le sec, au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à sec, jusqu'à ce que toute la nation eût achevé de passer le Jourdain. This is such a beautiful miracle. C'est un miracle extraordinaire. The Bible tells us the only way they could get across this impossible river. La Bible nous dit que la seule manière de traverser cette rivière impossible was by the anointing and the presence of God. Était apportant la présence de Dieu, l'onction. And they had to be carriers of the ark, les or carriers of the presence of God. Étaient des porteurs de l'arche de l'alliance, c'est-à-dire la présence and de Dieu. These priests. Ces sacrificateurs. You are a priest. Vous aussi, vous êtes des sacrificateurs. And king unto God. Royal. A peculiar people. Un peuple particulier. Called to show forth the praises of God. Appelé à révéler les louanges du Dieu très haut. And the priest carried the presence of God. Et c'était les sacrificateurs qui ont porté sur leurs épaules la présence de Dieu. Ils ont descendu dans le fleuve. Carrying the ark. Portant la présence, l'arche. Probably four priests. I don't know if those were in front or back, but it says carrying the presence. Peut-être quatre sacrificateurs portaient l'arche. And these worshipers are standing there in the middle of this river, suddenly on dry ground. Ces adorateurs au milieu du fleuve se trouvent pieds secs. This river stopped. It just went up in a heap. Et le fleuve s'arrête et monte.
en monceau. And they stood there and worshiped God. Et les voici en train d'adorer Dieu. Holding the presence of God. Portant la présence de Dieu. In the middle of a flood. Au milieu d'un lieu inondé. Every old person. Jusqu'à ce que la dernière, every baby, le plus vieux, le plus jeune, every le bébé, person, tout, a, je, tout jeune, tout adolescent, toute famille, crossed over to a the réussi other side. À traverser. They et held the ground. Ils ont tenu le, until a nation passed la terre over. Jusqu'à ce que la nation est arrivée when you sur step notre into your miracle, quand vous attendez un miracle, it begins with you being a carrier of ça the presence commence and the tout glory simplement of God. Quand vous devenez des porteurs de la gloire et la présence de Dieu, quand vous construisez votre vie autour de la that présence de Dieu, walking with the glory vous of marchez God. Avec la gloire de Dieu tous les jours. You can walk in the midst of the impossible. À ce moment-là, marcher au milieu because de l'impossible. Pourquoi? Parce que vous portez and la présence de Dieu. J'aimerais vous dire quelque chose, mes chers amis. Many times your miracle starts. Très souvent, le miracle commence. Seeming like you're in a flood and you are just holding the ground for au moment Jesus. Où vous avez l'impression d'être dans un terrain inondé et vous prenez position, vous tenez la terre. You may be the only person peut-être in your vous êtes family la seule that's personne. A believer. Dans la famille qui croit. You may be praying for peut-être your entire family. Vous priez pour votre famille entière. You may be the only one in church. Peut-être vous êtes la seule qui vient à l'église. You may be the only one trying to live for God. Peut-être vous êtes la seule personne de la famille qui and vit I pour Dieu. And I want to say to you, God bless you, priest. Que Dieu vous bénisse en tant que sacrificateur. I want to say to you, God bless you. Que Dieu vous bénisse. Because somebody has to hold the parce ground. Parce que quelqu'un doit absolument somebody tenir has to hold la terre, le terrain. Until your family passes jusqu'à ce que tout toute la famille passe à l'autre rive. You mamas are holding the ground until vous, your children mamans, pass over into the purposes of God. Vous tenez le terrain jusqu'à ce que vos enfants some arrivent. Some of you dear pastors, you've been certains holding pasteurs, the ground vous in your nation. Certains pasteurs, vous tenez le terrain pour votre nation. And you're just sitting there holding it. Et vous êtes là, and vous êtes fixé sur cet endroit. God is coming mais down chaque on that jour, nation. La présence de Dieu descend sur votre nation. Les chants de Sion montent vers le ciel pour honorer le Seigneur. Is being stopped. Et vous ne vous rendez pas compte, mais le bras de l'Éternel arrête l'inondation. You dear intercessors in this et vous, house, les intercesseurs dans cette you've maison, been holding the ground vous for aussi years. Vous tenez le terrain you've been depuis holding des années. The ground in Paris. Ici, à Paris, for 30 years, you've been holding certains the ground pendant here in Paris. 30 ans. Some of the time it seems like forever, but you just et hold the parfois, ground. Ça semble tellement long, mais vous tenez le terrain que Dieu vous a donné. In Houston, we just sat there and held the ground. À Houston, on a fait pareil. On est resté positionné, ferme. The best we could do. Et on a fait notre mieux. Declaring, decreeing, and holding the ground. Nous n'avons pas cessé de décréter, de déclarer you know, que nous you know possédons I, le terrain. I love about this. Vous savez ce que j'aime? You cannot tell me the name of those priests. Vous ne pouvez pas nommer les sacrificateurs. Their names are not recorded. Leurs noms ne sont pas enregistrés dans la parole they de Dieu. They were just the regular priests. Ils étaient les sacrificateurs normaux. You can't find their name. On ne peut pas trouver leur but nom. But heaven knows their name. Mais le ciel connaît heaven leur nom. Heaven knows their name. Le ciel connaît the leur nom. The friends of heaven. Les you dear intercessor friends of heaven. Les intercesseurs sont des amis du ciel. Les adorateurs sont des amis du ciel. The earth doesn't know your name. Et la terre ne connaît pas votre nom. You dear pastors holding the ground. Mais vous tenez ferme sur votre people terrain. May not even know your name in les your gens city. Peut-être autour de vous but ne connaissent pas votre nom, mais le heaven ciel connaît votre nom. Wherever you are, là où vous vous trouvez, never despise holding ne the ground méprisez in the jamais le mandat de until tenir ferme sur le terrain jusqu'à ce que la prochaine génération atteint notre rive. Tout le monde. And if I can be honest with you, there are some things that my children will do that I just had the privilege of holding the ground je for the next generation to step into a magnificent destiny. Pour lesquels je tenais simplement le terrain somebody pour laisser passer l'autre génération. Quelqu'un doit you tenir may be holding the ground ferme. For 10 more churches in the city to have a breakthrough. Peut-être vous tenez le terrain pour 10 autres églises dans la ville. I just know God used this je house to hold the ground. Je sais que Dieu utilise cette maison pour tenir la I terre. I was recently preaching in a city.
Récemment, je prêchais dans une ville. In the city, et la toute dernière flamme. It was a city of a completely different faith of people. C'était au milieu d'une ville d'une autre foi, d'une autre confession the de last foi. Flame in the city et la toute dernière flamme des chrétiens. C'était l'église où je prêchais they ce jour-là. Said, if we go, the light's gone. Et ils ont dit, si cette église est supprimée, il n'y a plus de lumière du tout dans cette ville. Said, we're gonna hold the ground. Et j'ai décidé avec and eux, on va se tenir, faire tenir, garder. La terre, your prayers dans are affecting vos regions prières around you. La région entière. When you worship and the presence quand vous adorez of God comes et la out of présence place, de Dieu se manifeste dans cette maison, il y a des choses qui changent. You know, and I don't know, but God knows how long it takes a nation to pass je over. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre, mais Dieu le sait. But people will suddenly start running into the house mais of tout God. Tout d'un coup, on voit courir vers l'église de Jésus-Christ, like les gens, les non-croyants. Blinking light c'est out in the front of the church, and all of a sudden people say, "Where have you une been?" Une lumière qui brille et les gens disent, mais vous étiez où tout ce temps? And it's just been unnamed priest holding the ground. Il y avait que des sacrificateurs sans nom qui portaient la présence. Known of heaven, but not known of man. Connu dans le ciel, mais pas connu dans le monde. Holding the ground. Come on, holding the ground. Le terrain. And I want to bless you, dear people. Je veux bénir cette maison. Holding the ground in your vous nation. Tous. Vous tenez votre terrain. All the Dutch people holding the ground. Vous, les Hollandais, vous tenez singing le terrain. Songs of the Spirit. Vous chantez les chants de you l'Esprit. Know what you are? Savez-vous ce que vous êtes? You're friends of God. Vous êtes des amis de Dieu. You become friends of God. Vous êtes devenus des amis de Dieu. He calls you by name. Il vous appelle par votre prénom. You can't compare everything. On ne peut pas tout préparer. You can't compare everything to the natural out there. Et on ne peut pas tout comparer à ce qui se passe dans le naturel. Parce que Dieu sait très bien qui tient le terrain. Thank you. Merci. Heaven says thank you. Le ciel vous dit merci. His presence is your reward. Sa présence est votre récompense. His presence is your reward. Thank you, sir. Sa présence est votre thank récompense. You, merci. Thank you. Merci. Thank you. Merci, Seigneur. Thank you, Pastor. Merci. Thank you for holding the ground. De tenir le terrain. What a destiny. Gardez-le. Quelle destinée. What a destiny. Quelle destinée. What a destiny. Whew, quelle destinée. Generations will shift because you held the ground. Des générations vont changer parce que toi, tu as tenu le terrain. Well done, man of God. Bien fait, serviteur de Dieu. Heaven celebrates. Le ciel te célèbre. Heaven celebrates. Le ciel te célèbre. Held the ground. Parce que tu as tenu le terrain. The next thing that happened, and just for the sake of time, I'll have to close in a moment, but for the sake of time, I'll just tell you the story. You can read it. Vous pouvez lire le chapitre, mais je vais condenser l'histoire. When they came out of that miracle crossing, sortant de cette traversée miraculeuse, Joshua says, "Go get 12 stones." Le peuple entend Josué dire, "Va chercher, allez chercher 12 one pierres, for every family, une pierre pour chaque famille, one for every tribe, chaque tribu d'autres termes. And write on it the name. Écrivez sur la pierre le nom. So that future generations pourquoi? Afin que les générations futures observent cet autel de 12 pierres. What is that? Et ils vont poser la question, c'est quoi and they will ça? Say, oh, that's the miracles ça, c'est of our family. La commémoration des miracles that's pour notre famille. Miracles of the generations. Les miracles des générations précédentes. That came out of holding the ground. C'était le fruit de tenir all le the terrain. Miracles we had to have to hold the ground. Tous les miracles qu'on était obligés de and voir you know, afin de you garder know what's le in terrain. This house over how many, is it 30 years, Pastor? Oui, environ. 30. In 30 years. Plus de 30 ans, on est là. Holding the ground. Vous tenez le terrain depuis do you know tout ce temps. In this house? Savez-vous ce qui est dans cette maison? Big mountain of stones. Une immense montagne de pierres empilées. Every one of them has written on it every miracle et chaque that it pierre took in the last 30 years. Reflète des miracles every nécessaires. Healing. Depuis 30 ans, toute guérison, tout salut, tout
percée, every toute délivrance, every protection, toute protection every divine, miracle. Tout miracle, and signe, many of you were not here. Et certains, plusieurs, n'étaient même pas là new. Au début. But do certains you know sont what nouveaux. You have? Mais savez-vous quoi? You have an inheritance vous possédez of the miraculous. L'héritage des précédents. You have an, it becomes your inheritance. Parce que ce qui s'est passé ici you devient votre héritage. Here, vous n'étiez pas là say, au début. That stone? Et vous oh, pouvez poser la question, stone. C'est quoi cette pierre? That's the person that got healed of cancer back ça in la première 1995. Fois qu'on a vu le cancer guéri chez quelqu'un. Oh, et cette pierre-là, c'est quoi? Un autre miracle financier. Tu auras un miracle oh, dans ta maison aussi. Oh, c'était quoi cette pierre-là? Toxicomane libéré de ses addictions. Tout ça. There's a miracle inheritance. Il y a l'héritage des miracles. You were born into a miracle inheritance. Vous étiez né dans cet héritage de miracles. In our house, there's stones, beautiful stones. Dans notre maison, il y a des pierres partout. In the last 2 years. Et depuis 2 ans. Two people who were basically dead. Nous avons vu des miracles extraordinaires. Deux personnes. One's a precious daughter près de of la house. Mort. Une fille and précieuse. It was last year we get a call and je me rappelle très bien. Life just ran out of her. On a reçu un appel et elle avait plus la vie dans ses poumons. Il fallait and la réanimer. They put her on a machine that's, you know, in Houston is the largest medical center in the world. À Houston se trouve le plus grand centre médical du monde. It's the most advanced medical. Le plus avancé, le plus moderne. And there's one machine that's basically, I don't remember the exact name, but it's like the death machine. Il y a une machine très particulière qu'on appelle la machine de la mort ou pour la there's, mort. There's no machine left after this. Ah, parce que c'est la dernière, vraiment le dernier and ressort. Aucune autre machine peut marcher pour la personne si cette machine ne réussit pas à and ranimer la was, personne. I forget how many weeks. Plusieurs semaines, elle était connectée à cette machine. She's on the machine. Elle est connectée, près de la mort. We're praying. Et nous prions. Loose her. Death, loose her. Libère-la, esprit de mort, au nom de Jésus. Déclarons la résurrection. Etc. She started dreaming. Elle commençait à faire des rêves. She was so much trauma when she awoke. Elle était tellement traumatisée. God started giving her dreams about the future of Dwelling Place Church. Et quand elle était réanimée, Dieu a donné des rêves concernant l'avenir de notre église. Pardon. And she came out. Et elle est donc sortie de la mort. Elle Our daughter est ressuscitée. Came back. Notre fille est revenue. Daughter came back. Alléluia. Another girl. Une autre fille. Her lungs were destroyed. Young lady. Her une lungs jeune femme. Des poumons completely destroyed détruits, by disease. Complètement détruits she par was put la on maladie. The same machine. Elle était connectée à la même machine. In the same city. Dans la même ville. She really hadn't attended church. Elle n'avait pas beaucoup assisté but à l'église. Ce n'était pas son truc, mais sa famille faisait partie de l'église. The father started getting off of alcohol. Et le père s'est été libéré de l'alcoolisme. Was their little son that was holding the ground for the et city, c'était for the family and the youth group. Le fils le plus jeune qui tenait le terrain au sein du groupe de jeunes. My son, who's a youth pastor, began to minister to the father. Et mon fils, en tant que pasteur de la jeunesse, commence à annoncer l'évangile au this père. This girl holds the world record for the longest time on that machine. Et cette jeune femme tient le record pour la plus longue connexion à cette fameuse machine. All hope is lost. À ce moment-là, on a perdu tout l'espoir. She was looking at a second complete lung transplant. Elle était devant une deuxième transplantation de poumon. And my son felt to go and pray. Et c'est mon fils qui a ressenti d'aller imposer les mains et prier pour elle. I've never seen so many tubes. Et il m'a dit, je n'ai jamais vu tant de tuyaux, de connexions, d'électrodes. Cette machine est horrible à voir. But thank God. Mais je dis merci Seigneur for a miracle God. Pour le miracle. She
came off of the machine. Elle était déconnectée de la machine et revenue à la vie. She didn't have to have a second lung transplant. Même pas besoin d'une deuxième chirurgie. She comes to church now some of the time. Et maintenant, elle commence à venir à l'église. This is your inheritance. Mais voici votre héritage. These are the stones. I could tell you stories. Mais j'ai des I histoires could tell you financial à vous raconter, stones. Des témoignages à vous raconter. I could tell you salvation stones. Des témoignages de salut, de guérison. The blessing of the local church cannot be calculated. On ne peut pas calculer la bénédiction de l'église locale. Love the house of God. Aimez votre église, for in it is a great inheritance for your family. Car là-dedans se trouve votre héritage. That you would never have. Des choses que vous n'aurez jamais eues autrement. Aimez la maison de Raise Dieu. Élevez votre famille dans la maison Because de Dieu. Parce que leur héritage est ici aussi. Life. Dans la maison aussi. The third thing I want to tell you, troisième chose. God started taking me through this and I noticed something. Dieu a commencé ce We parcours avec moi, j'ai remarqué quelque chose. In verse 13, nous l'avons lu dans verset 13 of Joshua chapter 5, de Josué 5. And that is, it says, a very interesting scripture that you can read over. Un verset que vous pourrez réviser ultérieurement. It says they had Passover. Ils avaient fêté la Pâque. They broke bread. C'est-à-dire qu'ils ont brisé le pain, rompu they le pain. They remembered the Passover lamb that had delivered them ils out se sont of bondage. Rappelés de l'agneau pascal they qui les a délivrés. A table. Ils ont préparé la table, dressé for la table. Us, we call it communion. Et pour nous, nous appelons ça la Sainte Cène. The bread, le pain, and the cup. Et la coupe. The Bible says they no longer ate manna. La Bible nous dit Once qu'ils ne mangeaient plus of the bread la manne and parce the cup. Qu'ils avaient mangé du blé du pays, le pain et la coupe. Everything shifted. Et tout a changé à ce moment-là. And the bread and the cup Pourquoi? Parce que le pain et la coupe was their ticket. Étaient comme un billet, leur billet. That may be an abrupt way to say it. Le prix d'entrée, pour ainsi dire. The bread and the cup. Le pain et la coupe. Release them into their land. À libérer le peuple pour leur héritage. This is the point of everything I want to tell you. Et voilà, je résume, j'arrive à la conclusion. God kept telling me, "See, I've given you the land." Dieu n'arrêtait pas de me dire, "Vois bien, regarde, je t'ai donné la terre." And I kept saying, "No." Et je ne cessais pas de dire, "I can't see that." Non, j'arrive pas à voir. I can see me. Je me vois. But I can't see that Mais level of miracle. Je ne vois pas avec mes yeux ce niveau de miracle. And then the Holy Spirit whispered to me. Et ensuite le Saint-Esprit m'a chuchoté à nouveau. Joshua wasn't looking at Jericho. Josué ne regardait pas Jéricho. Joshua was looking at me. Josué regardait l'Éternel. With a sword in my hand. Josué me regardait. J'avais la Joshua l'épée à la main. Joshua was looking at the captain Josué of the host of heaven. Josué regardait le chef de l'Éternel, le chef des armées. The captain of the host of heaven. Des armées du ciel. Come to usher you into the land that God has for you. Et c'est lui qui vous accompagne pour entrer dans votre terre promise. The captain of the host of heaven is ready to usher you into revival in Paris. The captain esprit, of the host of heaven conduit, is ready to usher you into your inheritance. À vous donner votre héritage, the captain vous accompagner of the host of heaven is ready to usher il you into the next season in this house. À cette nouvelle the saison, captain of the host of heaven. L'éternel doubt des me all day long. Doubt yourself all day ne long. Doutez pas l'éternel. But I can never vous doubt vous the one ne doutez pas. That is the host of heaven, the Lord Jesus Christ himself. Le chef de l'armée céleste. Our champion Il has est come. Notre champion. Our champion has come. Il est notre champion. Our champion has come. Our champion has come. Notre champion est venu. It wasn't them marching around the building like C'était that was something special or the, faire le around tour the city. Autour de la ville, non. It's because the man, C'était the captain of the host, parce que le chef de l'armée, l'Éternel des armées, fire in his eyes, avec ce feu
dans Creator of heaven and earth. Le créateur du ciel et the de la terre. Le maître de l'univers. Of every power. Et de tout pouvoir. Name that is above every toute domination. Name. Celui qui possède le nom au-dessus de tout nom. Qui se tenait là avec eux. March. Et qui disait, il est temps de marcher. Paris, it's time to march. Paris, il est temps de marcher. France, it's time to march. La France, il est temps de marcher. Nation, it's time to march. Il est temps de marcher. Do you know what shifted everything? Savez-vous ce qui a tout changé? For 40 years in the wilderness, they never, I'll use it in New Testament terms, they never had communion. Pendant 40 ans dans le désert, ils n'ont pas eu la Sainte Cène. They never remembered what brought them out of the Passover. Ils n'ont jamais commémoré ce qui les a fait sortir de l'Égypte. It wasn't until that day. C'était seulement ce jour-là. They went back. Ils sont revenus en arrière. To that Passover lamb. Et ils ont refait, ils ont revu cet agneau pascal. And I close by telling you. Et je clôture en vous disant, look je at conclue, me, church. Regardez-moi tous, s'il vous plaît. Everything will be impossible that you look at in the natural. Ce que vous regardez dans le naturel sera impossible. But nothing will stop you. Mais personne va vous arrêter. Rien when ne va you vous begin arrêter. To honor quand vous commencez the bread à honorer and the cup, le pain the bread et la and the cup, le pain et la the bread coupe, and the cup, le pain et la coupe, the bread and the cup, le pain et la coupe. When you come back to the table, nous revenons donc you à will la table behold him, du Seigneur, and et you vous will le understand, contemplez. It'll never be the arm of my flesh. Ça it'll never be my ability or my eloquence. Charnel, it will never be me. Humains. It will be non. This wonderful man, Jesus of ça Nazareth. Cet homme merveilleux qui s'appelle Jésus and de as Nazareth. I behold him, et les yeux qui le I don't have to look at Jericho anymore. J'ai pas besoin de regarder Jéricho I don't have moi. To look at Jericho. I don't non, have to look at besoin. Houston. I don't have to look at Paris. I can look at the Son of God. Je ne regarde que le Fils de Dieu. And I can never doubt the Son of God. Et je ne pourrai jamais douter every wall le in this city will fall tomorrow tout when I look at the Son of God. Demain, si le Fils no de Dieu wall fait. Can hold us back aucune when we look at the Son of God. Peut résister à la, au Fils de Dieu. Nothing can stop rien, us. Ni personne ne peut arrêter son peuple. And listen to me, church. Écoutez-moi listen to bien, me. Église de Dieu. Listen, this is, I'm telling you a word, I believe from God. Je vous donne une parole de la part de Dieu. He's calling the church globally. Il appelle son église mondiale. He's calling us to the table. À sa table. He's calling the church in Bulgaria to the table. Il appelle l'église en Bulgarie. Calling the church in the Netherlands to the table. À sa table, aux Pays-Bas, pareil. He's calling the church in France to the table. En France, pareil. He's calling the church in America to the table. En Amérique, pareil. He's not playing. Il ne joue pas. We're not just doing church services. C'est pas justement faire we des have to go back to the bread. We have nous to go back to the cup. Au pain and et we à have la coupe. To gaze at him. Et nous devons contempler we have to notre love Dieu, him aimer notre Dieu until we behold him. Jusqu'à ce que nous puissions le voir. He will come. Il viendra. He will come as il he viendra. Really is. Il se manifestera tel qu'il est. Et nous serons bouleversés. But we have to go back. Mais il faut revenir à la table. We have to go to the table. Revenir à la table du Seigneur. And we're going to live at the table. Et demeurer à la table. Because in that, and we're going to worship. Nous allons adorer. And we're going to receive the bread. Nous allons recevoir le pain et la coupe. Until we believe everything that bread is. Jusqu'à ce que nous croyons tout ce que ce pain représente. We're going to go to the cup. Nous recevrons la coupe. And we're going to receive it. Nous recevrons cette coupe. Till we believe everything jusqu'à the power of the blood nous croyons is. Tout ce que cette coupe représente pour nous. Everything it is. Tout ce que cela est pour do you remember nous. When the disciples walked with Jesus on the road to Emmaus? Vous vous rappelez le moment où les disciples ont marché avec Jésus sur la route d'Emmaüs? They couldn't see him. Ils n'étaient pas capables de le percevoir, de le voir. Their eyes were blinded. Pourquoi? Leurs yeux étaient aveuglés. Could I say even their the Bible says when he walked with them their hearts started burning within them. Mais la Bible dit que lorsqu'il marchait avec eux, leur cœur commençait à brûler au-dedans d'eux. Telling him
the scriptures. Et ils ont commencé à raconter à Jésus les Écritures. You will find bread in the scriptures. Tu trouveras toujours le pain dans les Écritures. You will find the bread of Christ tu in the scriptures. Tu trouveras le pain de Christ dans les Écritures, mes amis. And the Bible says, they said, oh, don't leave us. Et donc les disciples ont dit, ne nous quittez pas. That's where the body of Christ is coming. Don't leave us. Comme le corps de Christ, ne nous quitte pas. We Jésus, need your presence. Nous avons besoin de ta présence. We need your presence. Nous avons besoin de ta présence. Don't leave us. Ne nous quitte pas. And the Bible says what? Qu'est-ce que la Bible dit? Luke 24. Dans Luc 24. In the breaking of bread. C'est au moment où il a rompu le pain. He was known to them. Il s'est dévoilé. In the breaking of bread. Au moment où ils ont il a rompu le pain. In the breaking il s'est dévoilé. Of bread. Ils ont compris que c'était Jésus. In the breaking of bread. Quand le pain est rompu. Tout d'un coup, les yeux sont ouverts. Oh, they could see him. Mais oui, c'est toi, Jésus. In the breaking of bread. Quand le pain est rompu. We will see him. Nous le verrons. Alive. Vivant. With a sword in his hand. Avec l'épée à la main. Ready to accomplish. Prêt à accomplir. All that he has purposed. Tout ce qu'il a destiné. In this house. Et décidé d'accomplir dans cette maison. Hallelujah. Amen. Would you stand with me? Je vous invite à vous lever, s'il vous plaît. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. I feel the spirit of faith coming today. Je ressens l'esprit de foi sur vous aujourd'hui. I want you to lift your hands. Levez les mains. Lord, I thank you. This will be a house of bread. Seigneur, merci. C'est une maison de pain. Thank you. It'll be a house of living bread. Un pain qui est vivant. And you'll break it for the multitudes. Le pain sera rompu pour les multitudes. I thank you. It'll be a house of the miraculous. Une maison des miracles. It'll be a house of breakthrough. Une maison des percées. And we thank you, Father. Merci, Seigneur. We thank you for the cup. Pour la coupe. For the precious blood. Qui est ton sang précieux. We thank you for the bread of Christ. Merci pour le pain de Christ. Lord, in this hour, maintenant, we come to the table. Nous approchons de ta table. I pray the church in France will come to the table. Je prie que l'église en France vienne à la table. In the presence and the spirit, dans ta présence, they will hold the ground. Dans l'esprit, l'église they will partake tiendra of the living bread le terrain, gardera le terrain et and the living le pain blood et la coupe until they behold you. Jusqu'à ce qu'on let their hearts burn within them. Que les cœurs brûlent au-dedans may de chaque, burn chacun, chacune. Until le cœur they, brûle until they doubt no more. Jusqu'à ce que toute trace de doute soit ôtée. Thank you, my Father. Merci. I release right now, and I just speak miracle for this building. Je déclare. I speak miracle breakthrough, miracle finances. Pour le bâtiment, pour les finances. No lack. Aucun manque. Supernatural divine flow. Une fluidité, un flot divin. And I thank you that things shift in les the spirit. Les choses changent dans l'esprit. I thank you there'll be a unity in this house l'unité like never before. L'unité existe dans cette maison comme jamais there'll auparavant. There'll be a unity of the spirit. There'll l'unité be no disruption of de the spirit. L'esprit, aucune interruption. We rebuke every spirit of division. Nous repoussons tout esprit de division. Of man, d'humanisme, of humanism. And we release. Et nous libérons. We release the unity of the spirit. L'unité de and the bond of peace et le lien de and paix perfection et la and humility dans l'humilité unto the King. Pour le roi. Thank you, Lord. Merci, thank Seigneur. You, Lord. Merci, mon let Dieu. The incense of love, que worship, prayer arise day and night in this place. Monte, jour et nuit, in the name of Jesus. Dans ce lieu, au nom and de now Jésus. I bless you et maintenant, je to vous step bénis. Into all the Father's created you to be. Entrez dans tout ce que le I Seigneur bless vous a you réservé. To walk in your grace. Je vous bénis pour marcher I dans bless cette grâce. You to walk with him and do je life vous bénis with the dans King. Votre marche avec Jésus. I bless you to know the love of God je vous bénis dans votre connaissance passes understanding de l'amour de Dieu qui in dépasse la compréhension et l'intelligence. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen.